Salut à tous, c'est Jirikash. Regardez qui vient de monter sur la scène pile à l'heure. Je ne veux pas trop m'avancer, mais tu sais te servir de cette machine, hein? Bien, prouve-moi que j'ai raison et mets les gaz. Salut à tous, c'est Jirikash. J'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va super. Ok. Mais je ne suis qu'à moitié convaincu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau let's play. Si on va plus vite, on va partir sur un petit jeu de bagnole. On veut que tu prennes des risques, que tu fasses le show, que tu sois un spectacle vivant sur roue. Chaque fois que tu fais des trucs de dingo, tu gagnes du turbo. Tu veux t'y mettre? Qu'est-ce que tu dirais de me faire décoller tes quatre roues? Tu vois, je tiens toujours parole. T'as gagné du turbo. Ces adversaires-là sont ici pour se faire rentrer dedans. Alors, c'est le petit tuto de Onrush. Allez, tape dedans. Ils t'en voudront pas. Ou juste un peu. Défonce-en d'autres et t'auras encore plus de turbo. Ok. Donc c'est un petit style de burn-out. Je crois que t'as compris que tu faisais pas la course contre ces types. On va pas te féliciter parce que t'arrives le premier. Y a pas de ligne d'arrivée. Alors enlève-toi ça de la tête, ok? Et c'est parti pour un petit trio. Là, c'est bon, je les ai eus là. Encore une fois pour te porter chance. What? Je me suis planté, ça eux? Non. Bien, j'aime ton enthousiasme. Tu sais, il y a plein de façons de gagner du turbo. En faisant des sauts, en conduisant agressif, et en pliant de la tôle. Tout ça remplira ton réservoir. Ok, ça marche. Encore une chose, il n'y a pas de loup solitaire dans Onrush. Alors dis bonjour à ton équipe. Faut que tu couvres tes potes si tu veux y arriver. Capiche? Salut les copains. Le tout, on va faire monter les enchères. Maintenant, ils vont se défendre. Mais toi aussi. Alors utilise la vitesse et le turbo pour les envoyer valdinguer. Et c'est parti. Je suis sûr que j'ai une réplique pour ça. Petit cadeau pour les cadors de ton espèce. Pour toi, le turbo, c'est un peu has-been. C'est pas grave. Tu vois, quand tu brûles ton turbo, tu remplis ton réservoir de rush. Allez, remplis-le. Prépare-toi pour le rush. Ça part en couille. Non, je me suis planté. Fonce. Bienvenue. Oh putain, c'est un carnage ce jeu. Ah, je me demande pourquoi je l'ai pas fait avant. Alors on se retrouve pour le jeu Home Rush. Alors je vais faire un mode je vais faire une petite carrière, tu vois. Enfin, je sais pas, je regarde un petit peu ce que je peux faire. Partie rapide avec classement, c'est pas encore disponible. Partie personnalisée, entraînant. Donc on va partir sur un superstar.
Donc bah tu l'auras compris, en fait je vais faire je vais essayer de faire le jeu à fond, à 100%. Tu vois ça ? Ça pourrait passer pour un spoiler. Et j'essaie de faire vraiment toutes les courses. Si tu donnes tout ce que t'as, tu deviendrais le tout premier champion du Onrush Founders Trophy. Détends-toi, on ne spoil rien du tout. L'important, c'est pas le résultat, c'est la façon dont tu l'atteins. Onrush a commencé avec une bande de potes qui avaient la même soif d'adrénaline et qui refusaient quelques règles qui commençaient à étouffer les sports mécaniques. Hé, hey, je dis rien de mal, c'est juste comme ça que ça s'est passé, ok? Un petit tuyau, c'est pas de la course, c'est du pilotage de Biglingo. Alors on s'en fiche de respecter le circuit ou de jouer à touche-touche. Au contraire, on encourage ce comportement. D'accord. Bon, ils n'avaient pas pensé à conquérir le monde. Mais quand on a un truc qui déchire autant, c'est difficile de le contrôler. Et ouais, donc c'est vraiment un style de burn-out. Avec rien qu'un vent de punk rock dans les voiles et le soleil de l'été. Des conditions idéales pour que nos 12 fondateurs donnent vie à Onrush et commencent à écrire l'histoire. Ah, vraiment pas mal. Donc bah c'est un petit style de burn-out, donc du coup bah je vais kiffer ma race et le bah on va faire ça comme une sorte de petit let's play entre nous. On va commencer par le commencement bien sûr. Et ça va faire un petit let's play, tu vois. On va essayer d'avoir toutes les étoiles hein. Alors, tu vois, c'est un petit peu tout ça. C'est vraiment pas mal, tu vois. Là, pour les déverrouiller, il faut 125 étoiles. On en a 0. Et là, je peux en avoir 50 dans le commencement. Donc, on va vraiment essayer d'avoir le maximum d'étoiles. Et après, on va... Enfin, on va vraiment essayer de faire le jeu à 100%. Enfin, à 100%, le finir au moins le mode carrière. Après, s'il y a un mode en ligne, pourquoi pas aller essayer quelques courses avec toi. Mais d'abord, on va faire ce petit mode carrière. Overdrive, c'est du on-rush pur et dur. Sors ton pilotage le plus stylé et le plus agressif. Démolis tes adversaires. Décolle comme un malade et prends des risques pour gagner du turbo. Puis, brûle-le pour donner des points à ton équipe. Ok. L'équipe gagnante sera celle qui remplira et dépensera son turbo le plus vite. Apprends à connaître les capacités uniques de chaque véhicule, parce que si tu sais t'en servir, ça t'évitera de perdre comme un gros loser. Un truc de petit malin. Les meilleurs pilotes enchaînent les turbos pour gagner des points plus vite que leur ombre. D'accord. Overdrive. Par contre, ça parle beaucoup. Hein. Ça commence un petit peu à me casser les couilles. Sélectionne un véhicule. Ok. Il est sélectionné. Quand tu veux passer à tout prix à l'offensive. Bon, on va commencer par l'intercepteur. Enfin, tu peux pas choisir tes véhicules. Hein. Enfin. T'as ta voiture. C'est, tu te démerdes avec ta voiture. Tu peux rien faire avec. Utilise le turbo et le sprint pour rapporter des points à l'équipe. Alors, nous on est l'équipe bleue. Eh merde. Non, sérieux ? Putain, c'est un vrai carnage ce jeu-là. Non, je suis encore KO. Putain, ça part en couille. C'est un truc de fou ce jeu. Équipe derrière.
Ah, c'est pas pendant... C'est pas pareil que pendant l'entraînement. Quoi? Sérieux, on a perdu là? J'arrive pas à le rattraper. Je répète, ennemi à terre. Et merde. Alors, qui a la trouille maintenant? Eh merde. Échec. Ah, je suis tellement concentré dans cette partie que... Voilà, je parle pas beaucoup. Alors là, t'as tes coéquipiers. Sauf que je suis un petit peu en train de défoncer. Enfin, en même temps, ils passent devant moi. Ils devraient pas passer devant moi, ils devraient comprendre que... Voilà, chichi, quand ils roulent, c'est chichi, quoi. Alors là, le but, c'est d'arriver à chaque fois à 6500 points. Gagné. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. En même temps, je le vois et c'est moi qui lui rentre dedans. Tout suivi là, j'ai pas tout compris. Gagné. Alors faut les rattraper en même temps, t'as des petits buggy que tu défonces. J'ai fait deux démolitions, ouais d'accord, j'ai pas fait un score de ouf, mais on a gagné. D'accord, pourquoi pas. J'ai strictement rien compris. Donc là, j'ai eu 50 sur 50. D'accord. Bon, bah, je refais une deuxième course, hein, ça va quand même assez vite.
sélectionne un véhicule. En même temps, il dit sélectionne un véhicule, mais tu peux rien faire. Donc, ouais, et je veux bien. Hein. Dynamo. Quand c'est ton jour de bonté. Unite. Reste collé à tes coéquipiers pour remplir ton réservoir de rush. Restore. Partage tes richesses en lâchant des turbos pour ton équipe. Parce que c'est bon de partager. Energize. Envoie ton rush et deviens un vecteur de turbo à grande vitesse pour tous les coéquipiers qui ont la présence d'esprit d'être à côté de toi. Plus on est de fous, plus on va vite. Je vais me choper que des droits d'auteur avec ce truc. Alors là, c'est les... bah, c'est toujours pareil en fait, c'est toujours les bleus contre les oranges. Le turbo et le sprint donnent des points. Ok. Go! Cette voiture elle drape quand même pas mal. Oh putain, y a assez de sons sur ce jeu, c'est un truc de ouf. Je vais finir par l'avoir. Hein. C'est les miens qui vont m'envoyer dans le décor. C'est chiant que tu peux pas les envoyer, tu vois. J'essaie de le faire rebondir. Pour l'envoyer sur une autre voiture, mais non, ça marche pas. Ah, normalement, on va encore gagner. Gagné. Je viens de me planter. Ah, je le sais qu'on est en tête, c'est moi qui est dans l'équipe, voyons. Ah franchement c'est super. Ah je kiffe ce jeu. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à des jeux de voiture comme ça et...
et je le trouve plutôt stylé. Oh putain. Non. Gagné. Voilà, quand tu commences à comprendre un petit peu plus le jeu, franchement, il y avait vraiment pas mal. Moi, j'aime bien. J'adhère. Le système de récompense à la fin est un peu long. Bon, dans l'ensemble, on a toutes les étoiles qu'il nous faut. Donc on a fait les deux là à 100%. Bah à fond. On a encore celle-là, celle-là. Ok. Donc on se retrouvera pour la prochaine vidéo dans la course évolution et sûrement surclassé. Enfin, tout dépend de la vitesse de la vidéo. Hein. Si c'est trop court, je te mettrai deux courses. Sinon, je te mettrai une course seulement. Donc je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Chérica.